Mais qu'est-ce d'un? Mais qu'est-ce de vous, mon petit peuple? J'espère que vous allez bien, bande de beaux gosses. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo écoute. Faut savoir que ma petite coudette, elle fait des petites études en psychologie. Du coup, dans ses petits cours, elle chope des petits tests, tu vois. Et je lui dis, mais ramenez, on va se faire une vidéo écoute. Va falloir que je fasse travailler ma mémoire, donc ça va être la mémoire à court terme. Je vais te dire des chiffres, écoute-les attentivement et quand j'aurai terminé, tu les répéteras exactement comme tu les as entendus. Ok. Si tu les répètes correctement le premier essai, on passe à la suivante. Si tu échoues, je te donne un deuxième essai de la même série. Je suis ready to go. 3, 8, 6. 3, 8, 6. À partir de 5, je commence à être normal. Ouais. Ok. 3, 4, 1, 7. 3, 4, 1, 7. J'ai la pression. J'ai la pression. Vas-y. 8, 4, 2, 3, 9. 8, 4, 3. Vraiment. 2, 3, 9. Ça fait une erreur. Donc, non. Je t'ai dit 5, 2, 1, 8, 6. 5, 2, 1, 8, 6. Là, t'es concentré. J'espère. 3, 8, 9. 1, 7, 4. 3, 8, 9, 1, 7, 4. Ça me met la pression. Là, il va y en avoir 7 là. Non, il va y en avoir 7 là. Ouh, non. 5, 1, 7, 4, 2, 3, 8. 5, 1, 7, 2, 3, 4, 8. Non. Ok. 9, 8, 5, 2, 1. 6, 3. 9, 8, 5, 2. 1. Il en manque 2. 6, 3. C'est ça! Oh putain, je sais pas comment j'ai fait, c'est incroyable. 1, 6, 4, 5, 9. 1, 6, 4, 9. Non. Ok, bon. Ah, c'est dur là. 2, 9, 7, 6, 3, 1, 5, 4. 2, 9, 6, 7. Non, non, c'est trop, c'est impossible. Je sais pas comment alors, tu fais. On va prendre les 2, 7. Ok. Donc mon empan est de 7. On va commencer par l'auto-répétition et après on fera du décomptage. Là, on passe au vrai test. Du coup, là, on va faire une première série où ce sera de l'auto-répétition. Du coup, je vais lui énoncer 6 lettres, les 6 premières lettres de la première ligne. On va attendre 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, lui, dans sa tête, il va se les répéter. Et au bout des 30 secondes, il devra me faire sortir. Je compterai combien il en a de bonnes. Et après, du coup, on fera un deuxième travail avec du décomptage. C'est-à-dire que c'est pareil, je vais lui sortir les 6 lettres. Lui, pendant 30 secondes, il devra décompter par rapport à un chiffre que je lui donnerai de 7 en 7. Là, 6 lettres. Là, okay. C'est une truc de démonstration, donc je la prends pas, je crois. M, D, P, G, V, B. C'est long, 30 secondes. M, D, P, G, V, B. Deuxième série. V, X, L, F, W, C. V, X, L, F, W, C. Attends, tu vas me dire les 6 lettres là, ouais. Et pendant les 30 secondes, je vais décompter. Ouais. Mais c'est mort. C'est mort. En fait, le principe de faire ça, c'est d'utiliser une autre mémoire. En fait. Là, on travaille la mémoire à court terme, et le fait de décompter, ça va te faire travailler ta mémoire de travail. Mais il y en a deux qui vont faire ça en même temps. Du coup, c'est censé te niquer. Ok, là c'est un coup dès la nuque. V, H, X, W, F, K. Tu décomptes à partir de 571 de 7 en 7. 565, 558, 561. Tu passes de 58 à 61 toi ? 61, 68, 61, ouais. 555, non.
554. 554 j'étais. 547. 540. Vas-y. VH. X. W. Ouais. Il en manque combien? 2. F. Il en manque un. L. Allez, la deuxième. Ah, putain, merde. C, F, V, T, Z, B. Tu décomptes à partir de 517. Oh putain, j'en ai plus aucun là. Ah là, là, c'est incroyable, je me suis hyper concentré sur les calculs. V. Ouais. Que V du coup. Donc là, ça montre bien ce qu'on voulait montrer, c'est qu'en faisant de l'autorépétition, du coup, l'information, elle reste dans ta mémoire à court terme. Donc ça veut dire que tu m'as ressorti les deux lignes sans aucun problème. Donc t'avais 10 sur 10, quoi. Non, 12 sur 12, c'est 6. Donc t'avais 12 sur 12 sans problème. Ouais. Alors qu'avec le décomptage, t'as utilisé une autre mémoire, ouais. Toutes les informations, voilà. Ça m'a... Ah ouais. Ah mais c'est... Alors, ah, t'as ressorti que 5. C'était le out. Dis-moi. Une liste de mots suivie d'un nombre. Yes. Dès que vous entendrez ce nombre, vous devrez décompter de 3 en 3 à partir de celui-ci, à haute voix et le plus vite possible. Oh punaise. Jusqu'à ce que je vous dise stop. À ce moment-là, vous devrez rappeler les mots que je vous ai lus auparavant. Avez-vous compris? Tout à fait, mademoiselle. Dis d'entraînement, elle compte pas celle-là. Ok. Couché. Facteur. Médecin. Maçon. 843. Top. 843. 840. 837, 807, 800... Vas-y. Boucher. Médecin. Facteur. Plombier. Non, maçon, pardon. Maçon. Non, parce que ça sera... Non, parce que métier du bâtiment. Mais non. Maçon et plombier, c'est pas... Non, mais je sais pas. Non, mais je savais que c'était maçon, je sais pas pourquoi je dis plombier. Figue. Mandarine. Poire. Cerise. 724 721 718 176 700 Figue, mandarine, cerise. 4. Il en manque un. Figue, mandarine, cerise. Tu prends la deuxième? Ouais. Pastèque, framboise, abricot, pamplemousse. 628. Pastèque, mandarine. que pastèque? Bah c'est bien, tu montres tout de suite ce qu'on voulait montrer à la base. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'as fini de me dire les mots, tu me dis décompte, les mots, piou, ils partent et je suis concentré dans mon décompte. Dernière liste là. Ok. T'es prêt pour la dernière liste là? Allez, faut que je retienne 4, putain, allez, ouin. Singe, renard, cheval, éléphant. 166. 18. Singe. Renard, cheval. C'est pas possible. Non, celui-là, t'as pas l'air d'oublier. Canard. Alors, le but, du coup, ça va pas hyper bien marcher avec toi, mais le but de ce test, c'est qu'en gros, je te fais passer 5 listes où je te bourrine la gueule de fric, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il y a un singe. Bah parce que logiquement, ça fait une coupure dans tout ce que t'as emmagasiné de fruits et t'es censé me les ressortir nickel quoi. T'as vu déjà, tu m'as ressorti 3 comme s'ils étaient. Alors que tu galérais de sortir un fruit. Que je te dise banane, pomme, poire, etc. Bah toi tu vas avoir tous les fruits dans la tête et quand je vais te demander de me ressortir les 4 que je viens de te dire, bah tu vas avoir tous les autres qui sont encore. Ouais, j'avais 15 000 fruits dans ma tête. Voilà. Ouais. Et du coup tu vas pas pouvoir me les ressortir non. Parce que t'as trop de fruits qui viennent bousculer les autres trucs. Hein. Ma petite batterie s'est mangée un petit revers au niveau du tympan gauche. Donc on se retrouve à la baraka, au HLM, pour finir cette petite vidéo sur la thématique de se faire interroger par ma petite psychologue préférée d'amour. C'était surtout porté sur la mémoire à court terme. Du coup n'hésitez pas à le faire à votre copain ou à votre copine. C'est un truc sympa, tu vois, et puis au moins tu testes tes performances. Moi j'aime bien me challenger, je sais pas pourquoi, je suis vraiment une petite tape. J'espère que vous avez bu votre...
On se dit à bientôt. Facteur. Après une retournation de mémoire. Excusez-moi, je vais s'emporter. Bon. Est-ce que je tente une accélération fluviale face à ce joueur PVP? En vrai, c'est relou parce que ça sert limite à rien. Mais vas-y, on va dire en deux spi qu'on lui fait peur. Ouais, je vais couper la LDV de toute façon. J'en ai rien à faire que je vais devoir la décaler pour mettre une étoupie parce que de toute façon, il va se mettre invisible. Donc, j'aurai des PA dépensés. Non, elle est pas là. Ah, je pensais qu'il était à la recherche de la ligne de vous. Putain, merde. Piège de masse. Ah, il est terre. Ok. Allez, on va se... Oh non, Jury, il était là. Aïe, 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 j'ai le mort. Pourquoi j'ai pas tenté ici? Je l'aurais trouvé. Aïe, 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 ça, c'est un... Ah ouais, mais non. T'as voulu être cruel. T'as voulu laisser ton démon s'approcher de toi. Mais tu n'as pas su. Aïe, aïe, aïe. Combler ses désirs. C'était un flops. On appelle ça un flops. Par contre, là, j'aurais... La capacité, tu vois, d'utiliser mon piège magnétique, eh bien, ça aurait été très lourd de ouf, là. Parce que j'ai des belles bombes, tout se passe bien. Ça me fout le seum. J'avoue, ça me fout le seum. Lui, il va se manger un piège répulsif, c'est ça? Ah non, ça va. PPA. PPA house. Je me décale, il se passe quoi? Ouais. Ah. Il y a sûrement un piège magnétique. Non? Ah non, ça va. Ok. Bon, bah moi j'interchange de place et je me fais plaisir, hein. Voilà, comme ceci, parfaitement, oui. Bim, bam, bim, bala, boum. Bon, mes PM, voilà quoi. Hein, j'avoue que moi deux là, pendant je sais pas combien de tours, ça train de me tirer sur les oreilles, c'est un peu relou. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut vraiment, mais non, abuse pas, gros. Bon, elle est là-bas, elle est un peu loin là. Ah non, des faux vraiment, ok. Ça, je le tag toujours, il peut pas se foutre là. Et mais... Ah bah voilà, c'est toujours le cas, excellent. Ah, je pense que... On va se quitter sur cette battle, hein. Oui, 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 je crois bien, oui. Alors, attends. J'interchange avec elle. Après, faut que je ramène de deux L. Ok. Une petite flamiche, ça serait pas mal, quoi, en gros. Bim. 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 Là, je décale ça. Je crois que même sans dernier souffle, on va faire le boulot, hein. Je crois que la puissance de mes touches en deux touches... Ah non. Ah non. Je pensais que ça ferait le boulot, mais 165 PDV à son actif pour... Pan. Est-ce que je suis un saligo? Est-ce que je suis un saligo ou pas? Regardez là-bas, les enfants. Regardez là-bas. Oh. Oui. Ouais, c'est bien. Vous avez vu? Vous avez pas vu? Eh ben, moi non plus. C'était une vidéo coup de qui m'a fait bien plaisir. Franchement, ça m'a trahi le cerveau. J'ai rigolé avec ma petite psychologue préférée. Je me suis challengé. J'ai abattu un strap de sang-froid. Prenez soin de vous. À bientôt. Ouf.